Bon, Kounia là, nous qu'a dit couleuvre cette tête la camper. Bon, sauf que il passe cette tête encore parce que selon information, petite Dessaline parlait mais conseil créé présidentiel là le camper, il monté. Tout secteur qui t'a voyé non, à l'exception de petite Dessaline. Tout secteur. Yo bay non yo. Tout secteur expliqué à clair mais qui est-ce qui peut le représenter yo. Donc, ouais, si nous intelligents, n'a tout comprendre. Gen six traits qui exprimé yo, yo montré traîtrise yo a dans nous rend point de traître, on songe ça. Papa nation t'a demandé pour nous punir moun qui trahit nation. Même j'aime se te dit quel que soit moun pendant nan fort là, quel que soit moun qui voulait venir esclave blanc, quel descend à joindre yo, mais dans là, je veux garder avec moi que des braves. Et ben tout moun qui déplacé à jeune blanc, à constituer conseil créé ça. Moun sa yo. Yo c'est des lâches et de la vidéo. Formule avala ça lui même seul gen 4 têtes. Les Dewey, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc fils, Fritz Alphonse Jean et qui est l'autre là? Et au 4 oui. Et au 4 Gérald Gilles. Couleuvre 4 têtes la vala seulement. Mais la vala ce qui toujours dit lui même, il pas cohabiter avec personne. Avant là, c'était toujours Abdi lui-même, il n'est pas dans le pouvoir. Et ouais, le pouvoir, lui-même, il n'est pas entré dans le pouvoir, il n'est pas pénétré dans la cause du pouvoir. Mais résultat, je dis à la. Est-ce que nous avons chapé? Ou tout comprendre? Si groupe de monde qui accepte livrer pays à bay blanc, c'est livrer ou livrer pays à bay blanc. Si vous ne comprenez pas la dimension ça, mais vite, vous comprenez ni comme ça. Ils ont livré pays à bay blanc. Assurément, blanc, gardez-nous le riz. Les ouais nous sommes bon imbéciles et nous certainement nous représentons des marionnettes. Nous c'est des joujoux. N'a pas dansé, OK? Chaque fois blanc tire ficelle là. Ibrahim Traoré, monsieur dit, monsieur demandé président africain pour suspendre des marionnettes pour le colonialisme ou encore pour suspendre des marionnettes pour on dit pour l'Occident. Côté le Occident voulait lire les ficelles les biwa ou même wap danser. Nous tournons des marionnettes. Et blanc comprennent ça. Parce que l'autre d'elle propose causer conseil présidentiel de 7 membres, etc. Li connaît très clair ça pas bay résultat. Mais li wè ou adhéré avec lui parce que lui ou so bon moun comme si ou assoiffé du pouvoir et de l'argent. Et bien ok, li propose ou li impose ou. Et certainement ou accepte ou koube parce que c'est pouvoir. Mais qu'en est-il de la nation? Ou pas ouais nation, ou pas ouais pays ya. Ou pas ouais danger qui gagne dans ça là. Ou pas ouais qui malheur qui pendie sous tête en nous. L'on prend position ça. Hein? Qui conseille, qui est qui consultation que t'es fait dans mitan peuple là? Est-ce que conseille ça? Est-ce que la refléter volonté peuple là? Bon, en pile fois nous parler de volonté peuple, refléter volonté peuple, mais nous tout nous connaît comment bah elle a fait déjà. Ouais, mais c'est gros manitou yo, c'est gros épaulette, c'est eux même qui juste décider et puis ça va. Est-ce qu'on peut continuer à diriger une nation à niveau ça? Sept moun. Ou n'y a là, on dit, dans le conseil, ça seulement, il y a quatre Lavalas. Lavalas qui finit de participer dans notre pays à côté de là. Mais vous connaissez, l'État lui a une bonne chose, oui. Écoutez, ça devrait être une bonne chose pour nous. Le, on conseille pour aller six membres là dans le Boubibiti. Il y a quatre Lavalas là dans le Boubibiti. On comprend? Kounya là, on va dire que, ok, balance là, on va pencher en bon côté que, il y a quatre moun qui peuvent découler de même idéologie. Il y a quatre moun qui peuvent presque parler même langage. Mais et si et seulement si, les partis politiques, les courants politiques en Haïti, c'est si et seulement si, ils ont constitué l'école. Ou pas l'école de pensée en Haïti. Parti politique yo, c'est qui courant de pensée yo pas gagné. Ou pas comprendre non, yo pas gagné. Donc ça serait une bonne chose pour nous si toutefois certainement nous t'ai accepté ou bien comme si toutefois parti politique yo pas sous bluff ou jeune quatre moun famille Lavalas ou t'a dit bon OK pas gagné problème ou ouais qui côté ouais dans qui direction pays a aller. Mais je dis en la zamin nous tout nous ouais ça qu'a fait tu comprendre. OK? Et m'a dit merci avec conseil de fanatique qui toujours était ensemble avec nous comme si cap suivre nous. Nous dit merci en pile et Immaculate toujours voyez, li vont en vidéo ben moi c'est m'bra font parler de li là. Parce que faut ou comprendre dans qui niveau et les États-Unis
Donc, Patni a te posé question. Ivner, il te posé ambassadeur et Eric Stomayer question. Comment nous faire remer Haïti comme ça? Ivner dit, monsieur, nous pas comprendre. Nous avons l'amour pour Haïti. Mais tout l'amour pour Haïti, nous ne pouvons jamais le développer. Mais réponse là pour lui. Haïti est trop riche. Haïti a patogé dans sa richesse. Nous avons baigné dans la richesse, nous. Mais pendant ce temps, comme si nous couchions sur un petit bout de natte. Mais en bas, nous. Son mine pétrole, son mine d'or, mine iridium qui l'a. Et yo bouche genou, yo pa vle comprendre ça. C'est dur. Là, on ingénieur géologue, tant que Claude Prepti. Monsieur tellement subi menace. Monsieur tellement, comme si, ouais, comment bagay yo yé dans le pays. Monsieur obligé dit, Haïti pa gen pétrole. On est tant que Claude Prepti, oui. Hein? Le très respecté ingénieur géologue Claude Prepti, oui, monsieur Campbell dit Haïti pas gain pétrole. Donc faut qu'on comprenne pression du. Et pendant ce temps, il y a plusieurs études qui réalisées en Haïti. Côté on montrait pas A plus B, côté nous gain pétrole là vraiment. Quand a demandé comment faire en Haïti comme ça? Mais certainement la réponse est claire. La réponse est dans cette vidéo que je vous invite à regarder. Mesdames, messieurs, et vous comprenez, oui? Vous comprenez pour qui ça, États-Unis remènent comme ça. Vous comprenez pour qui ça, États-Unis, les kembe nous nos servitudes. Les pas veulent aucun autre pays vin boba kop. Les pas veulent aucun gros pays vin boba kop. Parce que maintenant, si l'autre gros pays a vini, gros pays a pral edo fait exploitation pétrole ou gen la, donc, ou pral gen redevance envers l'autre pays a, tant kou, et la Russie, la Chine, Venezuela et autres, ou pas d'accord pour que c'est lui-même. Donc, les États-Unis pas d'accord pour mettre le dehors dans pays là. Mais faut nous poser question pour qui ça? Alors état Haïti est là. Tout pays ami d'Haïti, les pays soit disent ou qui se disent ami d'Haïti, yo ta doit courir. Yo ta doit courir. Parce que ta bagay là est là, yo ta doit courir, mais ouais comme si yo aurait été là. Mais gon bagay, il faut poser tête aux questions. Qu'est-ce que nous avons à donner? OK, nous gon bagay dans vente nous gon bagay peut-être que yo pas voulu révéler ça, yo pas voulu comprendre ça, yo pas voulu connaître ça nous gagner. Parce que je dis, on a dans l'état Haïti, là, m'dou. Pays ça, yo ta doit courir, fuir dans toutes les directions. Et puis, yo gade yo Haïti, yo te doit péter courir. Mais il va ça, non, qu'a fait là. Mais vite, tendez, ensemble avec moi. Et, n'a gen vidéo, ça m'de perdu. Ça que, immaculé, attendez nous en pile. Ok, m'ta mande vidéo, ça vraiment li voue pour moi. An suivre ensemble. 1946. Dumas a estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti n'a pas expert dans le domaine ça, le président estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir voir si il y a pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président estimé placer agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Travail a commencé. Quelques mois après, le responsable compagnie a relayé le président estimé pour faire connaître qu'il y a eu quelques gisements pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relaie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tend des nouvelles là, prend contact rapide avec le président estimé et ordonne le camper travail tout de suite. Le président estimé qui pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé la compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant d'aller, monsieur yo couvri trou, yo tapal extrait pétrole là avec un couverture qui écrit non Atreco ak date la souli. Jusqu'à présent, couvertir ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa fête étoile. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Agronome Jean David, qui a géré le dossier pétrole là sous Dimassé estimé, c'était un opposant Duvalier. Il prend exil et quitte le pays avec tout dossier ça. François Duvalier vient mourir en 1971. Petite lit, Jean-Claude Duvalier remplace.
Si papa pas de bail trop importance à causer pétrole ça, petite là lui-même décide de relancer le projet. 1975. Président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine, qui relaie Clocks United. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que la première compagnie a travaillé sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cas jeune dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de recommencer à zéro et choisir Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas de prendre un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone. Là. Mais ça pas traité là. Monsieur est déplacé, il est allé dans la zone baie de Rochelois qui trouvait près de la Gonave pour faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur est estomaqué les quantité de gisements de pétrole que Haïti a nagé. Dans l'autre fois, il a annoncé président Jean-Claude Nouvel. Le président, qui était tellement content, je ne l'ai raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter Nouvel. Quelques jours plus tard, le gouvernement américain et les compagnies et forcé abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêtait là. Deuxième échec pour l'État haïtien. 5 ans plus tard, président Jean-Claude relançait le travail encore, mais face à ça, il parlait les compagnies américaines encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller signer accord. Dans l'hôtel côté de descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Le demain matin, le ministre prend avion, il entre en Haïti et puis il abandonne le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien. Et voilà, donc, ou même qui a posé cette question, si nous avons pétrole vrai en Haïti pour que ça ne pas jamais exploité, je pense que vous avez une réponse en qu'on y a. Et ça n'a pas étonné que si jusqu'à présent, nous avons des personnalités publiques, des mondes comme ingénieur, géologue Claude Pripty, avec tout respect que j'aime bien pour ingénieur Claude, pour connaissance li et pour ça représenter dans la société haïtienne, continuer à dire que pas de pétrole en Haïti. C'est parce que yo connaît qui risque que ça gagne là-dedans. Mis à part de professeur Daniel Mathurin, de regretter mémoire, et sa femme Ginette Mathurin, également professeur Emmanuel Laurent, qui c'est seul rare professionnel qui prend bâton pèlerinage en main pour avertir jeunesse là sur ressources qui gagnent dans le pays. Alors, tout ça que je dis là, je n'ai pas inventé rien. Je tire de un journal canadien qui relaie l'autre journal, qui est un journal indépendant. Le fait qu'on est que dirigeants américains ont considéré ressources qui sont sous-sol haïtien comme une réserve stratégique 6 ans 4 à 20 gagnent dans le monde. Là. Et où est pour cause de pétrole ça? États-Unis prêt pour le touiller. Li prêt pour l'exiler. Li prêt pour emprisonner un série de dirigeants haïtiens que nous gagnons. Moi marqué ça me dit là. Pour cause pétrole sont tendez, vous attendez, ce qui ça dit Haïti c'est réserve pétrole monde là. Et c'est-à-dire États-Unis qui était là inexploitable. Li qui était là de manière inexploitable. Rien que pour il dit si gagnon on guerre qui fait à travers le monde côté le monde pas gain gaz encore mais là en Haïti c'est là nous va joindre pétrole et ça me pousse à croire ça me pousse à penser maintenant pour qui ça jodi là avec un grain passeport en main ou ka aller aux États-Unis kounya longtemps pour t'aller aux États-Unis peut-être j'ai un passeport peut-être j'ai un visa américain. Yo te tellement mando papier, ni impression, même premier acte de naissance Jacques Dessalines yo t'a mando ou même qui États-Unis. Ou songez toute mise en passé pour arriver, pas vrai? C'est pas en bas fil fer ou t'es passé pour arriver, mais ou songez toute mise en passé. Ou songez combien refus ou joindre? Ou songez ça? Ou songez combien refus ba ou? Ou songez que c'était quoi vous dépenser dans causer à chercher visa dans ambassade américaine? Je dis en là nèg ni crété et d'ailleurs il plus facile je dis en là pour nous deux qui en Haïti et en imagine on habite Pétionville l'autre là habite Carrefour. Attendez, de Pétionville à Carrefour environ une heure de temps. Et même on n'est plus facile je dis à pour le dire na aux États-Unis plutôt au lieu pour nous croiser en Haïti.
Parce que le plus facile pour moun à l'États-Unis qu'on traverse Kafou. Le plus facile pour moun à l'États-Unis qu'on sorti Port-au-Prince pour aller au Cap, pour aller Jacmel. Je dis, là, faut chercher comprendre. Faut mettre grand moun sou. Faut mettre petit moun nan de côté pour comprendre. Pour qui ça? Faut poser question. Pour qui ça devine aussi facile? Donc cette volonté de pousser les Haïtiens à fuir le pays, écoutez, il y a une motivation, il y a une raison. Si nous avons des gens qui pensent pour nous ouvrir, si nous avons des philosophes, ça a été de enseigner, il a été de chercher à comprendre pour qui ça. Ce sont des clics, son virement aussi rapide qui fait, ou bien demander tête ou même comment ça fait aussi rapide vraiment et de manière automatique. Si nous avons des gens qui pensent pour nous, il faut réfléchir ça. Ça, nous avons enseigné dans les écoles. Pour qui ça? Hein? Est-ce que c'est parce que nous avons nous? Est-ce que c'est parce que nous avons cœur pour nous ouvrir? Nous avons aimé nous tout mourir. Qui fait ça, fait comme ça? Est-ce que c'est ça? Comme si nous avons tellement senti nous avons danger, nous avons danger imminent qui pendait sous tête en nous. Nous avons tellement ouais ça comme si nous avons dit que nous avons fait tout haïtien qui était pays à le sauver pour nous. Vous pensez que ça est vrai? Ou bien son manière, c'est une volonté même pour que yo vide pays parce que Donald Trump nous l'a dit très clair. On l'a, Haïti a juste été un mot sauté, n'importe monde qui a décidé d'acheter Haïti. Vous comprenez bien? Des fois, il a parlé, il dit nous bagay l'argent lié. Nous a dit n'importe monde qui a juste décidé d'acheter Haïti parce que son mot sauté lié. Il a fait en sorte que tout Haïti courir quitter pays. L'amour pour la patrie, bah c'est un sentiment ça qui t'est collé dans nous. On va dire nous pas dans quoi ça encore. De qui cause l'amour n'a pas les mla. Parce que nous toutes, nous avons volonté pour que nous fuir pays. C'est ça qui a primé pour nous. Et ça qui a important pour nous. Retirer pied nous, jeter nous, jouer pied nous. C'est ça oui. C'est lui même n'a pas qui solution pour nous. Vous pas comprendre non? Donc je dis là, le m'a regardé toute manœuvre blanc, toute tactique blanc. Ouais, tellement intéressé, Nations Unies a fait réunion presque chaque jour sous dos Haïti. Pour qui ça, comme si d'un coup Haïti peut être aussi important dans géo. Faut poser ta toute question. Pour qui ça? Qui ça qui explique important ça? Ou pas toujours important pour yo? N'est-ce qu'il a assassiné Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse comme si monsieur t'a cherché des experts pour venir exploiter pétrole qui gagne en Haïti. Plusieurs présidents passés là, qui ont envie de parler de pétrole là, et soit ou exilé, soit ou touré, soit ou. On voit? Ou un paquet de nèg qui passe là, ou pas dit rien sur lui. Aristide, comme nèg qui dit comme si, les camps en face blanc, même Aristide, pas même parler de cause de pétrole nous là. Voix pour le ta chercher exploiter là. Malgré ça, yo ba monsieur coup d'état quand même. Joseph Michel Martelly passé là, il pas dit, ouais, ou négocie à Préval. Parce que là, vous êtes venu avec projet à Préval. Il a dit Préval, mon cher, mais ça n'a pas fait, mais ça n'a pas développé, etc. dans le pays. Préval garde les nègres, Préval dit, ah, monsieur, nous méchants. Et il dit, comment, président? Préval dit, ça veut dire, monsieur, nous pas t'arrêter même faire madame. Ça veut dire, monsieur, nous pas t'arrêter même faire pouvoir. Ça veut dire, monsieur, nous t'arrêter même tout. Un président. Et c'est là pour montrer, l'autre des nègres qui parlent de système, ils ne peuvent pas même comprendre ce système. Ils ne peuvent pas comprendre ni. Je ne comprends pas une dimension, ça n'est le système. Nan. Puissance système. Nan, non. Et je vais juste répéter le concept comme ça. Je veux dire, alors, comprendre ça que le système nan, en Haïti. Qui ça système a fait? Où le système a joué en Haïti? Blanc Raymond d'un coup. Blanc pas qu'à passer de où? C'est même genre. Ou pas, ouais? Pays en Afrique qui commence à pouvoir jouer, qui ça y fait? C'est mettez blanc dehors. Mettez américain dehors, mettez français dehors. Parce que c'est cancer, yo, yo tout non cancer, y'a pas gagné. Pour ça, toute négociation qu'a fait là, yo. Pour ça, toute décision qu'a pris là, yo. Yo pas invité la Russie, yo pas invité la Chine, yo pas invité au paquet l'autre pays là-dedans. Pour ça, on pas invité, yo. Faut qu'on comprenne. Pour ça, pays, ça, on pas qu'à inviter dans la discussion qu'a fait pour Haïti. Ok, nous dit c'est le bout de n'a mobilisé pour Haïti, en faveur Haïti. Mais pour ça, de mettre la Russie dehors. Vous avez un paquet de pays de météo dehors. Même Brésil nous met dehors. Mais c'est parce que tout simplement, pays ça, yo pas utilisé même langage ensemble avec yo. Vous comprenez, non?
Parce que complot qu'a fait pour assassiner Haïti, complot qu'a fait pour asphyxier nous, complot ça, l'autre pays ça y est pas d'accord. L'autre pays ça y est même, il a dit non, faut qu'Haïti galon souffre. Nous avons tous le droit de goûter à la liberté. Nous avons tous le droit de goûter au développement. L'autre pays ça y est, c'est ça, il y a quelqu'un qui a comme discours. Mais discours ça pas fait ou bien eux même. Discours ça pas mettre au dans bain, discours ça pas mettre au dans assiette. Parce que faut que tout pays accepte monter en coalition. Coalition pas gain l'autre objectif c'est pour voler piller Haïti. Ouais, non, un nèg a rentré dedans kay moun y a piller kay moun là, mais c'est même j'ai fait pour nous. Rentrer dans pays a piller nous et puis après ça vient de aller. Ça aucun monde pas ka ou bien pas demander aux explications. Est-ce que n'est pas foutu? Est-ce que nous pas mêlé? OK. Et gon zanmi qui réalise un travail côté l'a expliqué raison qui fait gon paquet de pays chaque fois t'as essayé que t'as de prendre tête force multinationale en Haïti, yo fin dit oui après ça yo dit non. Dernier pays là est Kenya. Kenya plus pas d'accord pour tête force multinationale là je dis là que pour t'as d'accord. Mais c'est pas rapport avec ça qui dans pays ça là. Écoutez, Haïti son pays spirituel. Yo toujours dit très mystique. Mon paquet de bagay ka fait là dans pays ya. Mon bonne bagay ka passe là dans pays ya. Peut-être même ou pas connait. Et mais on dit chaque pays ça qui accepte pour yo prendre tête force multinationale là après recherche y'a le fait, après voyage peut-être astral, m'pa connait non, y'a le fait. Yo ouais. La terre d'Haïti, c'est pas une terre que vous pouvez monter sous lit comme ça. Quand vous avez une force multinationale venir là en Haïti, c'est fatal. Chaque pays, vous voyagez, vous faites voyage par vous, vous faites recherche par vous, vous faites études par vous sur Haïti, vous avez la fatal pour vous. Et ça fait que tout dit Haïti a tourné un gombo chaud, vous décidez de déposer le pito. Mais quand vous avez, même fort temps de travail, ça a été mis à réaliser. Côté la peut expliquer mais pour qui? Il dit mais pour qui ça oui? États-Unis, Canada, la France, même sous t'as au fin d'accord pour votre tête force multinationale. Après ça veut dire ouais, gombo ça toi chaud pour moi. M'pap entrer. En suivant. Arrivée d'une force internationale dirigée par les Américains le 10 janvier 2023, mais cela ne s'est pas passé comme prévu et ils ont changé de plan. Par la suite, ce fut au tour de la Jamaïque de vouloir intervenir en Haïti. Les Américains avaient réussi à convaincre les Jamaïcains en février 2023 d'intervenir militairement. Comme on peut le voir dans ce journal, la Jamaïque indiquait être prête à participer militairement à une force internationale. Cette déclaration fut de très courte durée puisque la Jamaïque s'est par la suite rétractée et a passé le flambeau au Canada. Suite à ce nouvel échec, ils ont annoncé l'arrivée de la coalition militaire, cette fois-ci menée par le Canada. Mais Justin Trudeau s'est très vite rétracté. Et il a reconsidéré la question, comme en témoigne l'article ci-dessous. Le Canada a ensuite passé le flambeau au Kenya. Le Kenya, quant à lui, devait intervenir comme l'avait soutenu son président. Et c'est sans surprise que l'on apprendra que le Kenya, qui était si prompt à s'engager, va finalement faire marche arrière sur son intervention, comme les autres l'ont fait précédemment. Aujourd'hui, c'est au tour du Bénin d'annoncer son intervention en Haïti, avec l'envoi de 1000 hommes. Les Américains misent sur eux car ils pensent peut-être que les Béninois sont assez mystiques pour pouvoir entrer sur le territoire. Mais comme leurs prédécesseurs, ils reviendront sur leur décision et suspendront leur intervention. Mais pourquoi donc tous ces pays, après avoir accepté l'intervention, reviennent sur leur décision et refusent à tour de rôle? Comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, Haïti a le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti est en réalité au centre de la Terre. En effet, Haïti est situé sur le noyau terrestre, et ce noyau terrestre génère un champ magnétique qui empêche aujourd'hui une armée étrangère de pouvoir rentrer sur le territoire. Car ce qu'ils ne disent pas et dissimulent, c'est qu'ils ont bien essayé de se rendre sur le territoire via divers moyens et à chaque tentative, cela a occasionné la mort de plusieurs de leurs soldats. Car à chaque tentative de leur part, le champ magnétique se met en place. Haïti se trouve au centre de la Terre comme nous pouvons le voir à travers cette carte, qui contient même les extraterres. On aperçoit clairement que Haïti est au centre de toutes les terres. De plus, il est dit que Haïti possède le deuxième plus grand gisement d'iridium au monde, ce qui est faux, car Haïti possède 90% des réserves d'iridium dans le monde, ce qui fait donc d'Haïti le premier pays à détenir les plus grandes réserves d'iridium. Alors question,
Savez-vous pourquoi Haïti détient autant de réserves d'iridium? Quel est le mystère derrière cela? Car Haïti possède des montagnes d'iridium de pure qualité. La raison est simple. L'iridium est produit en continu et en très grande quantité dans le noyau terrestre. Cet iridium remonte par la suite à la surface de la Terre. Comme d'après le site fastercapital.com qui a publié un article sur l'iridium. Dans cet article, il confirme que l'iridium est abondant dans le noyau terrestre et que l'iridium présent dans le noyau joue un rôle important dans le champ magnétique de la Terre. Or, Haïti possède le champ magnétique le plus puissant de la Terre, car Haïti détient les plus grandes réserves en iridium. Cet article confirme donc ce que nous avançons. Ceci prouve encore une fois que Haïti se trouve sur le noyau terrestre et c'est à partir de ce même iridium que se constitue le champ magnétique de la Terre. Pour ceux ayant regardé le film Wakanda, le métal qui est à la base de toute leur technologie et leur puissance est le vibranium. Le vibranium correspond dans la vie réelle à l'iridium, ce métal qui est l'un des plus rares au monde et vaut 3 fois plus que le prix de l'or, c'est-à-dire plus de 6 000 $ l'once. Il ne provient en réalité pas d'une météorite comme il laisse à penser, mais provient directement du noyau de la Terre, là où il est formé. D'ailleurs, dans le film Wakanda, le fils de T'Challa est né en Haïti. Ceci fait référence à la bataille finale qui doit se dérouler là-bas. L'iridium permettrait des avancées technologiques qui n'ont pour l'heure jamais encore été évoquées et qui dépassent l'entendement. L'élite ne peut pas quitter le dôme et échapper au jugement qui est en cours et avoir accès aux extraterres sans l'iridium d'Haïti. C'est la raison pour laquelle nous voyons des tweets tels que celui-ci sur Haïti de la part d'Elon Musk, celui qui s'est vu attribuer la mission par l'élite de percer le dôme. C'est pourquoi Haïti est aujourd'hui en bataille finale et vous n'aurez de cesse d'entendre parler de cette île à l'échelle mondiale. Car l'horloge du monde est en Haïti, c'est sur Quisqueya, la mer des terres, que tout a commencé, c'est donc sur la mer des terres que tout finira. Peace. Et là, réponse là claire. Vous comprenez? Donc vous êtes capable de dire, la réponse est dans la question. Parce que, faut comprendre. Si vous tout aurez été conservé, vous fin d'accord et bien après ça, vous aurez été dit non, vous parlez encore. Nous tout dernier là, c'est Kenya. Vous avez toute volonté Kenya te gagne. Ou devait toute mobilisation kenyan yo, ou devait dans tout niveau yo dit yo même y a rentré quand même. Yo bay toute garantie, c'est comme si yo prend engagement avec le monde entier. Yo dit le monde pas inquiété, nous n'a venir quand même. Et puis c'est gade. Ouais. Kenya ou l'on en farine, il pas jamais venir vrai. C'est gade ou attend Kenya arrêter le jour. Ouais, de temps à autre vient avec un critère. De temps à autre. Yo te fin dit fin janvier y a prononcé, début février y a débarqué. Mais après ça, il dit bon début mars. Maintenant, fin mars. Je dis à combien? Je dis à pas 19. On a fin mars. Il faut comprendre. Nous, on a fin mars. Il n'y a pas de gens qui ont décidé. Mais c'est dit, on dit, on parle à donne. Dernièrement, là, on a Bénin dit la voie 2000 soldats lui-même. On a regardé un bagage là, moi, Tchad. On a un petit pays. Bon, désolé pour moi. On a un petit pays salope, oui. C'est eux même qui d'accord rentrer dans tête force ça là ou bien qui d'accord dit bon il y a constitué force là pour venir en Haïti qui va comprendre dimension ça qui gagne là non mais si on était intelligent on t'a dit bon comment fait États-Unis pas prendre pour ça Canada pas prendre pour ça la France pas prendre pour ça l'Angleterre pas prendre yo même qui gagne gros l'armée pour ça yo pas prendre ou pas comprendre faut que tu poses tête question si on intelligent c'est ça on t'a dit pour ça grand pays ça yo pas prendre mais c'est parce que certainement il y a quelque chose qui cloche. C'est parce que certainement, gon bagay la, gon secret ou pa vle ban nou, gon bagay la, gon interdit, voilà. Il y a une raison. Gon raison que fait ou pa vle di nou an ya. Gon raison que fait ou pa ka d'accord, ou pa vle ya. Jean gros pays sa yo reme gloire. Alors pou ta wè, pou tout gros pays sa yo, comme si après l'école ou de, koun ya son bon petit pays de maman, c'est ou même y aprele, kap di ou vini nou mes amis, mon pays pou vann la oui. Il y a liquide pays à 2 pour 5. Ouais, dans ça ne prend. Et j'ai entendu et le sénateur Jacques Sauveur-Jean, ou qu'a reproché de toute bagaille. Mais cet homme a une manière de parler. Il y a une manière de dire les choses. Tout ça, monsieur dit, oh, mais attendez, monsieur, ils ont pas qu'être bon bagaille. Et monsieur vient corroborer avec qui toujours a dit il nous faut un complot. Il nous faut un complot en faveur de la nation. Faut que vous compreniez que fait oui chaque pays l'a regardé et Qatar aujourd'hui en la 1950 état Qatar de aujourd'hui en la regardé dans quelle dimension oui son couple que fait la Chine pas tout ça ou paquet de pays là y a pas tout ça oui aujourd'hui a t'es gon complot mais la République Dominicaine m'a regardé Banque mondiale
bid. Il y a sorti bagaille, il y a sorti comme si décision qu'on a fait qu'on est, il y a félicité la République dominicaine comme un modèle de développement. N'est-ce pas une fierté pour les Dominicains? Pourquoi ça le pas comme ça pour nous tout? Pourquoi ça le pas comme ça pour nous? La République dominicaine était en ruine il y a 30 et 40 ans de cela. Mais je dis à l'âme du si vous la République dominicaine, vous avez dit, bon, ok, ou non pays. Il y a toujours un manque, parce que c'est un petit pays. Mais quand même, indice développement, yo, indice pour dire que tel pays c'est tel pays, ou après, yo, plus ou moins respectant pile là. Comme vous comprenez, je dis à la République dominicaine, les constituer, ça n'est pas capable de brûler en passerelle. Retirer un bon monde en Haïti, mettez en République dominicaine, et la République dominicaine dit, il y a capacité pour recevoir tout le monde. Yo. Écoutez. Donc ça veut dire qu'on travaille qui fait. C'est pas comme tomber comme si on tombait du ciel. Mais la nique dans celle-là, elle sortit le tomber, mon cheminement, mon travail, mon bagaille qui fait. Pour ça ne va pas faire tout nous-mêmes. Regarde Dominique, regardez nous. 70 ans avant ça, Dominique était qu'on rentrer la vinde richesse la caille nous. Était qu'on vinde rentrer vinde manger la caille nous. Parce que Gregou t'a tout, Gregou t'a pété fiel yo. Mais je dis à la c'est inverse là qu'a fait. Nous trouvons nos moments, nous trouvons nos carrefours. Ce sont des carrefours difficiles. Nous avons besoin des hommes de grand cœur qui pour retirer dans cette année-là. Mais ça, vous m'avez gardé là. C'est les rats, ça, vous m'avez gardé là. Ça, vous m'avez gardé là, nous pensons. Et nous disons, tout le monde qui accepte de rentrer dans le conseil, crée ça. Vous toutes, vous êtes des ennemis, vous êtes des traîtres de la nation. Et nous devons marquer vous. Nous devons veiller mon zayo. Tout le monde qui a accepté bay blanc possibilité. Parce que l'on accepte entre la donne, c'est quoi mon bay blanc? C'est dit ou dit blanc, li met en mode adélante, li met continuer. Li met continuer piller, li met continuer craser, li met continuer exploiter nous. Donc, moun sa ou bay blanc, carte verte. Moun sa ou bay blanc, certificat, patente pour yo, pour blanc manger, nous finançons avec nous net. An kapi la, non, mesdames, messieurs, m'de content ensemble avec vous. Haïti Réflexion, c'est nos channels là. N'a dit merci avec toute fanatique, toutes amis qui toujours été fidèles ensemble avec nous, toujours été connectés, qui toujours a suivre nous parce que il y a monde qui dit peu importe côté ou à bord, n'a toujours ensemble avoir. Et ça fait nous mandé amis ça yo, on pas seulement et bam love là dans bouche mais en aider dans travail là, c'est dire avancer et aider partager parce que là ou joindre nous partager le ba aux amis, amis ça lui-même li ka pousser le ba on l'autre. Parce que si l'estime ça que t'as dit, c'est qui goût, qui bon pour la nation, qui bon pour les oreilles, qui bon pour l'esprit, qui bon pour le cerveau, je garantis que le pape Kimbel pour col. 11 ans, il remet en pile, 11 ans, il apprécie en pile, il a partagé le bali. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Haïti Réflexion, Esdras Fizemi, n'a pas croisé prochainement pour une autre vidéo.